ancienne pénale anticorruption, ni vous Ratiarsan placé sous mandat de dépôt. La chaîne pénale anticorruption a décidé hier le sort des 5 incriminés dans le dossier concernant l'Office de la radio et de la télévision de Madagascar. Nivou Ratiarsan, directeur de cabinet du ministre de la Communication, de l'Information et des Relations avec les institutions, a été placé sous mandat de dépôt jusqu'à la tenue du procès. Le chef de service marketing et communication auprès de l'ORTM a également eu le même sort que le DIRCAB. Au total, sur les 5 incriminés, 2 ont été incarcérés et 3 ont bénéficié d'une liberté provisoire. Cette affaire concerne le détournement de plusieurs matériels de l'ORTM ainsi que des fonds appartenant à cet organisme public moyennant des faits de corruption. La valeur du crime s'élève à 400 millions d'ariages, nous a confié une source proche du dossier et avancée par plusieurs médias depuis la semaine dernière.